Est-ce que l'équipe de France doit jouer comme le Brésil? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la France et du Brésil. On va faire un parallèle parce que les gars, Jérôme Rotten estime que la France doit jouer comme le Brésil. Mais avant de commencer, avant qu'on en parle des propos de Jérôme Rotten, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Ici, nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, est-ce que le Brésil ou alors est-ce que l'équipe de France doit jouer comme le Brésil, les gars? Parce que Jérôme Rotten estime que le Brésil a un football offensif et il aimerait voir l'équipe de France produire ce même football, les gars. Moi, j'estime que l'équipe de France, en termes de qualité de jeu, en termes de joueurs de potentiel, ils ont largement le matériel pour produire un football offensif. Sauf que le coach, ce n'est pas la philosophie de Didier Deschamps, les gars. Deschamps n'en veut pas. Deschamps ne veut pas. Il ne veut pas jouer un football offensif. Deschamps, pour lui, c'est gagner. Peu importe la manière, il s'en fout de la manière. Deschamps ne gère pas le beau jeu. Deschamps s'en fout complètement du beau jeu. Ce qui l'intéresse, c'est gagner et à juste titre. Moi, je préfère les coachs qui ont des résultats, qui gagnent, que d'avoir un coach qui joue bien, mais qui perd, un loser. Je pense notamment à Marcelo Bielsa. Tout le monde loue les qualités de Marcelo Bielsa en termes de qualité de jeu, en termes de beau jeu, mais sauf que Bielsa n'a quasiment rien gagné dans sa carrière en dehors des JO 2008, je pense, avec l'Argentine et le titre de championship lorsqu'il était à Leeds, il est monté en première division. Donc, globalement, il a quasiment un palmarès vierge. Mais tout le monde loue son beau jeu que Bielsa, il joue bien, c'est qu'il joue bien au ballon, etc. Mais au final, il n'a quasiment pas de titre majeur. Est-ce que vous souhaiterez voir Deschamps dans ce même cas de figure? Moi, franchement, moi, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que d'abord le beau jeu, pour moi, c'est d'abord le résultat. Donc, même si le jeu de Deschamps me fait chier, pardonnez-moi l'expression, ça me fait chier, mais derrière, il gagne. Derrière, il remporte des titres. Derrière, il fait des grosses compétitions, en dehors peut-être de l'Euro 2021. En dehors de ça, franchement, il fait de très belles choses, très belles choses, très beau parcours avec l'équipe de France, les gars. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec Jérôme Rotten. Je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Pour moi, je privilégie d'abord le résultat, les gars. D'abord le résultat. Ensuite, le beau jeu. Pas l'inverse. Pas le beau jeu, ensuite le résultat. D'abord le résultat, ensuite le beau jeu. Si tu peux avoir les deux, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. Mais s'il faut choisir, moi, je veux choisir d'abord. Je vais choisir d'abord les résultats. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec Jérôme Rotten? Est-ce que tu privilégies d'abord le beau jeu? Est-ce que tu aimerais voir l'équipe de France jouer bien, mais perdre? Ou alors jouer mal, mais gagner? En tout cas, j'attends ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.